L'histoire d'Arnaud, de sa mère et de Margot Lafitte semblait être celle d'un conte de fées modernes, un mariage entre un humoriste bien aimé et la fille d'un célèbre pilote automobile français, Jacques Lafitte. En 2015, ils unissent leurs destinées et quelques mois plus tard, ils accueillent leur fils Albert. Dans une interview accordée à Téléstar, Arnaud de sa mère exprimait son bonheur d'être devenu papa à l'âge de 40 ans, décrivant la parentalité comme un raz-de-marée de bonheur qui a transformé sa vie pour le mieux. Cependant, malgré cette période de bonheur, le couple annonce sa séparation en 2017, mettant fin à leur histoire. Pour Arnaud de sa mère, cette séparation était difficile, mais il souligne la manière dont lui et son ex-femme ont réussi à maintenir une relation saine et bienveillante pour le bien-être de leur fils. Dans une interview accordée aux Parisiens en 2022, il exprime son soulagement quant à la réussite de leur divorce, même s'ils ont complètement raté leur mariage. Après plusieurs années de séparation, Arnaud de sa mère révèle la raison sous-jacente de leur rupture, expliquant que la mère de son fils est partie avec quelqu'un d'autre après une période d'adultère, ce qui était extrêmement difficile à vivre pour lui. Cependant, après un long travail de réflexion et de compréhension, il parvient alors à accepter la situation et à pardonner, réalisant que ni elle, ni son nouveau compagnon n'avaient agi contre lui intentionnellement. Aujourd'hui, Arnaud de sa mère affirme que la mère de son fils fait partie de sa famille, tout comme son compagnon. Il insiste sur l'importance d'un environnement sain et aimant pour l'éducation de leur enfant. Cette confession poignante révèle la maturité et la capacité d'Arnaud de sa mère à surmonter les obstacles de la vie et à privilégier le bien-être de son fils avant tout.